Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour de carte, un petit Takan. Donc vous allez voir, c'est un tour vraiment super automatique, très impressionnant, vous allez voir. Donc déjà, premièrement, vous allez mélanger le jeu plusieurs fois. Comme ceci, vous montrez bien aux spectateurs que toutes les cartes sont imbriquées les unes dans les autres. Donc vous pouvez mélanger deux fois, ça suffit. On va le refaire une dernière fois. Comme ceci. Et nous allons prendre deux jokers pour ce tour, nous allons en avoir besoin maintenant. Et donc vous allez distribuer les cartes une à une comme ça, et le spectateur va compter le nombre de cartes et va devoir s'arrêter quand il le veut. Ça, on va le faire deux fois. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginons le spectateur nous dit stop ici, on place un joker et on pose le paquet. On continue pareil exactement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Imaginons le spectateur nous dit stop ici. On met le second joker et on pose. Donc maintenant, on fait un ruban et on va prendre les cartes qui sont à côté des jokers sur lesquels le spectateur s'est arrêté. Donc ici et celui-ci. Voilà. Pour récupérer les cartes sans faire de manipulation, on pose le paquet ici. Donc là, à partir de ce moment-là, nous allons créer une carte grâce à ces deux cartes. Donc la carte de gauche va nous indiquer la valeur et la carte de droite va nous indiquer la famille, l'index, pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc là le spectateur s'est arrêté sur un 10 et là sur un 9 de trèfle. Donc nous pouvons créer une carte, le 10 de trèfle. Okay? Et donc ce 10 de trèfle, où il est? Il est quelque part dans le jeu. Et ce qui est fou à ce moment-là, c'est que vous demandez au spectateur de vous nommer à nouveau les deux nombres sur lesquels il s'est arrêté, c'est-à-dire 12 et 14. Et on va additionner ces deux nombres, 14 et 12 qui fait 26, et on va prendre le jeu face visible, on va compter 26 cartes, et ce qui serait incroyable, c'est qu'en 26e position, nous ayons le 10 de trèfle. Rappelez-vous que le spectateur aurait pu s'arrêter sur n'importe quel nombre, d'accord? Là, il s'arrêtait sur 12 et 14. Le choix était totalement libre, il n'y a pas de forçage. Donc nous allons compter 26 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On arrive sur le 10 de trèfle, la carte que l'on vient de créer aléatoirement avec le spectateur. Voilà pour ce tour automatique qui est vraiment excellent. Je le trouve vraiment très puissant, très bon et très facile à faire. Donc c'est simple, vous allez forcer une carte, celle que vous voulez. Donc vous pouvez le faire en impromptu. Mais c'est plus délicat, pourquoi? Je vous expliquais. Imaginons le spectateur, il mélange. Et vous regardez la dernière. Donc le principe est connu, d'accord, pour la première partie. Mais franchement, je ne connaissais pas le fait qu'on additionne les deux nombres et qu'on compte face visible et qu'on arrive sur la carte. Ça, je ne connaissais pas. Mais la première partie, c'est un principe très connu, voilà, depuis longtemps. Donc là, vous allez regarder la dernière carte et la première. Ce qui fait que vous devez créer un 5 de carreau. Et là, il va falloir que vous arriviez devant le spectateur, donc vous trouvez n'importe quelle excuse pour prendre le 5 de carreau et le mettre en avant-dernière position. Voilà, il faut que vous arriviez à mettre cette carte-là en avant-dernière position. Donc je ne sais pas quel texte vous pourrez trouver pour justifier cela. C'est à vous de trouver, voilà, de chercher. Vous n'êtes pas obligé de le faire en impromptu. Moi, je ne le ferai pas en impromptu puisque je vais mélanger, j'aurais déjà placé mes cartes, mais je vais mélanger deux fois devant le spectateur. Donc le fait de mélanger deux fois les cartes les unes dans les autres, ça suffit pour moi pour tromper le spectateur entre guillemets, pour qu'il se dise bah là le jeu est bien mélangé, vous voyez? Il ne pensera pas qu'on aura gardé intactes les cartes du dessous. Donc là, pour l'exemple, bah, on va garder ça. Donc on va garder le 5 de carreau. Et donc vous mettez en avant-dernière position la carte que vous voulez forcer à la fin. D'accord? Donc vous faites un mélange. Donc vous gardez intact les deux cartes du dessous et intact la carte du dessus, tout simplement. Donc vous laissez passer quelques cartes et là vous pouvez faire votre riffle shuffle. Et vous gardez celle-là à droite sur le paquet. Ok. Vous le faites une deuxième fois, c'est bien de le faire deux fois. Comme ceci. Vous pouvez faire ceci en disant voilà, toutes les cartes sont imbriquées les unes dans les autres. Là, on est bon. Et là, on dit au spectateur, alors c'est là que c'est fort, c'est qu'il peut choisir n'importe quel nombre. Là, vous allez distribuer les cartes une à une et on va compter ensemble et vous dites au spectateur de vous arrêter quand il veut et de retenir le chiffre sur lequel il s'est arrêté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginons qu'il vous dit stop ici. Donc à ce moment-là, vous mettez le joker ici,
pour qu'on voit plus tard sur quelle carte le spectateur nous a dit stop. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Imaginons qu'il s'arrête ici à 16. On met le second joker ici. Là, on dit qu'on va aller chercher les cartes sur lesquelles on s'est arrêté, où il y a le joker. Donc, on va prendre la carte qui est à droite. Et grâce à ces deux cartes-là qu'on va sortir, on va former une carte, on va créer une carte. Là, vous reprenez le paquet normalement, vous n'avez pas à couper. Ça, c'est bien, il n'y a pas de manipulation à partir de ce moment-là. Là, vous dites qu'on a deux cartes, on va créer une carte. Donc, la carte de gauche nous servira pour créer la valeur, la carte de droite pour créer pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc, là, on tombe sur les cartes qu'on a forcées, bien sûr, grâce au principe très connu. Et là, on crée la carte, le 5 de carreau. Et là, ce qui est génial à ce moment-là, c'est que peu importe les chiffres choisis par le spectateur, automatiquement, quand on va additionner les deux nombres sur lesquels le spectateur s'est arrêté, vous aurez la carte automatiquement à la bonne place. Donc ça, c'est très fort. Donc là, il avait choisi 8 en premier et 16. Et vous lui dites, voilà, on va essayer de retrouver la carte qu'on vient de créer aléatoirement, le 5 de carreau. Comment? En additionnant les deux chiffres sur lesquels vous êtes arrêté. Donc 8 et 16. Et donc on additionne ces deux chiffres-là, ça fait 24. Et ce qui est dingue, c'est que si on compte 24 à partir de la face, donc il faut toujours vous compter à partir de la face, eh bien on trouvera le 5 de carreau en 24e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 de carreau, 24e position. Franchement, ça tue. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un super tour automatique. Voilà. Vous pouvez le faire en impromptu si vous voulez. Alors pour le faire en impromptu, comme je vous ai dit, il faut essayer de trouver un justificatif. Donc je pense que vous pouvez dire par exemple, je vais faire une prédiction. Donc vous sortez la carte que vous voulez mettre en avant-dernière position, ici. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est dire, non, finalement, je vais faire autrement, je vais pas en faire. On verra plus tard. Je vais pas en faire. Et vous la mettez en avant-dernière position. Vous pouvez trouver cet exemple-là. Je pense que ça pourrait marcher. Voilà, à vous de trouver d'autres idées. Donc voilà, je trouve que ce tour est vraiment génial. Donc là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci.